Alors, mes amis, aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Parce que, c'est mon anniversaire! Oui! Bon, calmons-nous. Et puis, on va tenter un truc aujourd'hui. Alors, c'est ni un tour de magie, ni un podcast comme tous les autres. Parler pour ne rien dire. Et je crois que ma mise au point est merdique ce soir. Voilà. Alors, on va faire un truc assez intéressant aujourd'hui. On va s'intéresser au matériel que je vais recevoir sous peu. Voilà, matériel photo, hein, je parle d'une vidéo, vidéo, photo, tout rentre dans le même panier. Voilà, donc intro quoi. Chope show. Alors mes petits canards, donc on va faire un petit truc aujourd'hui. Alors vous aurez tout dans la description de la vidéo, ou pas, ça dépend. Voilà. Et puis alors. Voilà. Alors, pour... Attends, on va pêcher un rire. Voilà, c'est mieux. Alors, pour votre information, je filme mes vidéos avec un Canon EOS 1200D. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Je sais pas. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet appareil filme vachement bien. Voilà. Le micro, c'est un micro externe que j'ai raccordé à un enregistreur. Voilà. Oh, encore. Donc c'est un micro externe que j'ai raccordé à un enregistreur et comme ça, j'ai l'impression d'avoir un son stéréo avec un beau rendu quoi. C'est une façon de voir les choses d'une autre manière. Sinon, il y a le son de l'appareil. Donc plus vous vous rapprochez, plus c'est mieux. Plus vous parlez fort, plus c'est mieux, évidemment. Alors, voilà. Et puis, d'accord. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je peux vous tout simplement vous expliquer qu'est-ce que je vais recevoir. Donc, c'est parti, quoi, jingle. Donc deux produits complètement différents que j'ai à vous présenter ici. Donc premièrement la boîte d'un objectif Tamron, comme c'est marqué dessus, d'un objectif Tamron, donc 70-300 mm, voilà. C'est assez sympathique, j'aime bien. Mais malheureusement, monsieur est parti en réparation. Et oui, il est parti en réparation. J'arrive. Hein. Il est parti en réparation parce que il avait un problème, un petit problème à l'intérieur. En fait, quand on le grippait sur l'appareil, en fait, l'objectif à l'intérieur, le diaphragme, souvenait même pas. Souvenait, c'est nouveau. Il ne s'ouvrait même pas et du coup, on n'avait aucune visibilité. C'était complètement naze. Voilà. Et sinon, un autre petit gadget. Donc, c'était un flash Olympus. Canon, Olympus, bientôt ça va être Athènes. Olympe, t'as compris le jeu de mots? Bon, c'était pourri. Donc ça c'est un flash assez sympa, voilà, qui se pique sur la griffe de flash, que je ne peux pas te faire voir puisque je filme en même temps. Voilà, et ça foutrait la merde. Et donc à l'intérieur, tu vois, tu peux mettre deux piles. C'est deux piles, donc ça coûte pas très cher, tu vois. Mais je vais m'en faire livrer un bientôt là. Tu vas avoir 4 piles, mais tu vas voir la taille du morceau, hein, ça va être énorme. Voilà. Alors il y aura ça, il y aura un stabilisateur vidéo, une sorte de petite poignée en mode chromé carbone, avec un raccord en mousse. Bon. Ça sert à tenir l'appareil photo d'une façon assez sympathique, donc tu t'en rendras compte dans d'autres vidéos. Voilà. Des filtres UV. Alors le filtre UV, c'est ce que tu as juste devant là, ce qui permet d'avoir, quand tu es sur un fond blanc, un fond bien blanc, et non pas un fond. Je sais pas moi, un côté gris, là où je suis un peu noir, et puis de l'autre côté vraiment très sombre quoi. Vraiment des couleurs unies et fonctionnelles. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir la grippe poignée avec le rappel du déclencheur donc sous l'appareil, donc là où on peut mettre deux batteries. Ça m'évitera de tomber en panne lors d'une soirée par exemple, ou d'une soirée vidéo, on va dire ça comme ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai ça, il y a ça, autant que ça revienne. C'est comme ça. Sais-tu ce que c'est que ce truc?
Ça te dit quelque chose? Et oui, mon ami, c'est un beau jeu de cartes Mafia 3 que tu peux gagner grâce à mes vidéos. Alors, je vais t'expliquer comment. Alors, comment? Oui, c'était merdi. Alors, voilà, ça, c'est un putain de jeu Mafia 3. Voilà. Un superbe jeu Mafia 3 que tu peux gagner. En série limitée, bien évidemment. Et c'est important ce que je vais dire. Parce que bon, c'est peut-être un banal jeu de cartes. Mais tu peux gagner peut-être celui que je tiens actuellement en mode dédicacé et tout. Attention, c'est pas n'importe quoi. Qui en voudrait en même temps, bon. Donc, jeu Mafia 3, tout simplement, voilà. Donc, le jeu, il est sorti il y a pas très longtemps. J'en ai fait la promotion en tant que joueur de Bonto. Magicien, j'avais fait une vidéo sur ça à la Paris Games Week. Voilà, donc fin novembre, fin octobre, début novembre, plutôt, pardon. Et puis, voilà, il y a 4 jeux à gagner. Donc, c'est pas énorme, mais voilà, il y a 4 jeux à gagner. En répondant à 5 questions. Et une fois que tu as répondu aux questions, tu vois, soit tu m'appelles au numéro que tu trouveras sur Facebook, ou alors tu m'envoies un email sur. Voilà, ça s'affiche. Sur vincentchef@sfr.fr, donc tu m'envoies un email là-dessus et faut que tes 4 réponses soient bonnes. Je vais plutôt faire 5 questions, c'est plutôt mieux. Donc 5 questions, 5 réponses. Si vous avez tout bon, la personne qui a tout bon dans l'email me donne son adresse et je lui envoie un jeu Mafia 3 par la poste. Voilà, donc ça va se passer comme ça. Et puis sur ce, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, passons tout de suite aux questions. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, première question pour gagner le jeu Mafia 3. Alors, première question. Où habite le chef Shaw? C'était la première question. En plus, c'est marqué. C'est peut-être bien. Voilà. Deuxième question. Quel âge j'ai? En temps réel, attention, hein, au moment où je te parle. Hein. Je laisse réfléchir. Quand a été fondé le Chef Show? Je laisse réfléchir là-dessus. Troisième question. On en a 5. Réfléchis. Avec quoi je filme mes vidéos? Quatrième question. Cinquième question et dernière question, un peu plus compliquée. Je l'ai zappé, j'arrive. Ah oui. À quel étage habite le Shop Show? De 0 à 7. Je suis entre 0 et 7. Je te laisse deviner. Tu peux gagner un beau jeu Mafia 3 avec ça. Hein? Sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, à plus tard. Salut!